A pinhole camera captures an image upside down. Ok, on va commencer un petit peu. Je vais un petit peu hop, monter le micro. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans Starter Asset. Dès que vous voyez une petite flèche qui regarde de manière horizontale, hein, ça veut dire que vous avez des sous-catégories. N'hésitez pas à déplier, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont cachées. Si je regarde le premier, alpha c'est quoi? Ça va être des textures qui sont en noir et blanc. Comme j'ai pu vous dire plusieurs fois, on peut considérer une couleur comme une information, en fait. Le blanc va me permettre d'obtenir une information où ici je vais être à 100%. Le noir, c'est une information qui permet de comprendre qu'ici je serai à 0%. Si par exemple je prends cette flèche et que je viens l'intégrer dans mon pinceau, ce qui se passe, c'est que maintenant, quand je vais cliquer pour peindre, mon pinceau sera donc une flèche. C'est-à-dire qu'il ne viendra pas me peindre ce qui est noir, il viendra me peindre uniquement ce qui est blanc. On n'est même pas besoin, quand on est dans l'outil brush, c'est-à-dire l'outil pinceau, on n'est même pas obligé d'ailleurs de faire un drag and drop et d'aller sur alpha. Il suffit que je fasse un clic sur un alpha. Du moment que j'ai bien mon outil brush qui est présent, automatiquement, je vais changer comme ça d'application de mon pinceau, si je puis dire. Au niveau des alphas, ils ont créé des sous-catégories. On a les basiques, on a les brushes. Alors, ce n'est pas parce que ces alphas sont dans un dossier brush que eux, je ne peux pas m'en servir comme brush. Vous voyez, si je fais ça, j'ai un brush qui me permet de peindre sous forme de croix, etc. etc. Celtic, ça, c'est des choses qui sont liées à un aspect assez celtique, etc. Le but, c'est de pas de voir tous les éléments, c'est juste que vous compreniez bien comment marche finalement une alpha. Petite parenthèse aussi, pour l'instant je vous parle beaucoup en termes de brush, mais sachez que par exemple si je fais un cac de remplissage et que je viens intégrer par exemple cette image ici, on voit que ce qui se passe c'est qu'il m'affiche cette image comme si c'était de la couleur. Du coup, là, je peux jouer sur le tiling, comme on a pu voir, etc., etc. Donc, une alpha, je peux m'en servir pour mon brush, mais je peux m'en servir comme une image simple. C'est vraiment comme vous le désirez. Si, par exemple, je décide de prendre cette même image et je la mets dans Roughness, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que le noir qui signifie 0, qui est ici, va me permettre de faire comprendre à mon matériel que ici, je veux quelque chose qui n'est pas du tout rugueux, tandis qu'ici, je veux quelque chose qui est extrêmement rugueux. Vous voyez, quand je bouge ma lumière, sur le blanc, où je suis à 100% rugueux, ma lumière n'accroche pas du tout. Tandis que là où il y a du noir, donc ça veut dire que je serais 0% rugueux, là, on voit bien ma lumière qui accroche énormément et qui réfléchit complètement. Pourquoi? Parce que le noir, encore une fois, dit 0%, le blanc veut dire 100%, donc avec ce genre de logique, vous pouvez comprendre. Pareil pour le métal, ce qui se passe, c'est que c'est le contraire en fait. C'est-à-dire que là où je suis noir, je ne suis pas du tout métallique, et là où je suis blanc, je suis extrêmement métallique. Donc, alpha pour les brushes, mais vous pouvez vous en servir comme une image simple, etc. etc.